Palev les Burek, j'espère que vous allez tous très bien. Cocorico! Oui, il est déjà là. Le Cocorico, après seulement 2 étapes, il est de retour. L'année dernière, on a dû attendre 19 étapes. Là, on n'attendra que 2, soit 17 de moins. Enfin, en plus, si vous allez voir la vidéo du débrief de l'étape d'hier, vous aurez vu que dans ma nouvelle rubrique qu'on rédifiera aujourd'hui, j'avais mis Victor Lafay dans mes favoris. Bon, je m'en veux, j'ai pas joué. Hein. La cote, je ne sais pas combien elle était, mais vous aurez dû peut-être m'écouter si vous l'avez pas fait. En tous les cas, victoire française, victoire lyonnaise sur la route du Tour de France. Un maillot vert à la clé, pourquoi pas, ça peut devenir un objectif pour lui. En tous les cas, on verra. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la petite vidéo traditionnelle du profil de l'étape. Donc les amis, avant tout, avant de démarrer, avant le point historique, je tiens à redire que j'ai restructuré un peu mes vidéos. Donc après le point historique, il y aura l'analyse par ordre chronologique et après, il y aura une partie avec tous les petits chiffres intéressants. Voilà, c'est plus facile à comprendre et moi je m'y perds moins et vous aussi sûrement. Petit point historique, c'est la troisième fois que San Sebastián accueille le Tour de France après l'étape de 1939, arrivée et départ d'étape, et le grand départ de 1992, il y a 31 ans dans le Pays Basque, avec notamment la victoire de Dominique Arnoux sur la première étape en ligne, victoire en échappée du Français de l'équipe Castorama à l'époque. Donc les amis, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de cette deuxième étape du Tour de France 2023. Donc une étape, encore une fois, dans le Pays Basque, promise à des punchers, ou plus je pense à des coureurs pour le classement général, pour deux choses. Premièrement, la dernière difficulté, 8,1 km à 5,3% de moyenne, avec des passages à plus de 7-8%. Dans le final de cette côte sera peut-être trop difficile pour des pure punchers. Et puis il y a un sprint bonus en haut, en plus des 5 points attribués au classement du meilleur grimpeur, on aura des bonifications 8, 5 et 3, donc ça peut intéresser les coureurs du classement général. Il peut aussi y avoir une échappée qui aille au bout, sachant que UAE a pris le maillot jaune la veille. Ça serait bête d'utiliser des forces, cette équipe qui veut remporter le Tour de France. Donc on pourrait se dire, on laisse filer l'échappée, tranquille, on leur laisse le maillot, ça fait des contents. Et nous, on se désintéresse du poids de la course, on repose nos coureurs, etc. Donc du moment que l'échappée peut aller au bout, ou en tous les cas ouvrir la route pendant un long moment, beaucoup de coureurs sont intéressés par cette échappée pour différents objectifs. On va voir certains, oui, ça peut être intéressant pour le maillot vert puisqu'on a un sprint intermédiaire à peine 50 km du départ et que c'est tout plat. D'ailleurs, Mats Pettersson, l'ancien champion du monde, va tenter de se glisser dans cette échappée, lui qui rêve de ramener le maillot vert à Paris sur les Champs-Élysées. Il y a aussi 11 points au Grand Prix de la Montagne, donc des coureurs vont se glisser pour ce Grand Prix de la Montagne. On pense à l'Amérindien, au pur Américain, Nelson Paulus, porteur du maillot de meilleur grimpeur, Anthony Perez qui joue souvent ce maillot en début de tour. On pense aussi à Pascal Enkhorn qui avait pris quelques points la veille, etc. Au final, une échappée de 3 seulement va prendre les devants. Oui, parce que derrière, on a filtré certains coureurs. On a la Jumbo, on a l'Alpecin De Koenig pour notre ami Mathieu Van Der Poel. C'est la seule fois que je citerai son nom dans l'étape parce qu'il a été invisible. Mais pas l'équipe Emirati qui, elle, a tenté de mettre un coureur dans l'échappée. Comme Matteo Trentin. Voilà, peut-être un point d'appui pour le final, peut-être pour dire d'être représenté à l'avant. Voilà.
On sait, il y a même les Team Ineos qui a fait ça. Ça peut être intéressant. Une victoire d'étape par-ci ou par-là, si ça va au bout, bah pourquoi pas. Bon, seulement trois cours à l'avant. On retrouve le TGV de Clermont-Ferrand, Rémi Cavagna. On retrouve Edvald Boasson-Hagen pour la Team Direct Energy. Et on retrouve le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur pour Education Easy Post. À ce moment-là, l'échappée va prendre le large. On va d'ailleurs avoir plus de 4 minutes d'avance maximum. Je vous sortirai le chiffre tout à l'heure dans la partie statistique. Et puis l'UAE Team Emi Watt, ces Émiratis qui vont aller en tête de peloton, pas pour spécialement rouler, on se dit à ce moment-là, mais dire on est présent, pas de panique, l'équipe du maillot jaune est là. Et puis peut-être donc monter une sorte de présence et peut-être inciter d'autres équipes à rouler et se faire des alliés de circonstances pour mener la poursuite. Alors à ce moment-là, on se dit l'Emirati va laisser le maillot complet. Mais non, on va avoir les coureurs émiratis, Michael Bjerg, tout du moins, rouler presque tout le long de l'étape, mettre un tempo maximum et d'ailleurs se rapprocher assez vite de la tête de la course. Donc ça c'est complètement ahurissant, à moins qu'on a dans la tête de laisser le maillot jaune à Simon Yates, que Adam cède sa tunique à Simon. Donc ça reste dans la famille, même si c'est pas la même équipe, ça peut être assez sympa. D'ailleurs sur le sprint bonus, on voit que Pogacar fait le sprint bonus, mais avait la volonté de laisser passer Simon Yates, mais voyant Vingegaard arriver derrière, bah il a pris les bonus. Voilà. Je vous mettrai peut-être la petite vidéo avec peut-être le coup d'œil de Tadej Pogacar. On reviendra après dessus. Dans l'échappée, on va tout de suite se distribuer les objectifs. Nelson Paules dit, moi, je veux les points du meilleur grimpeur. Je vous laisse le sprint intermédiaire. Certes, ça intéresse pas beaucoup de monde à l'avant, si ce n'est pour les pépettes, puisque personne, je pense, qu'elle soit Cavagna ou Boasson-Hagen, rêve du maillot vert à Paris. En tous les cas, ça fait une belle prime. Dans le peloton, ce sprint intermédiaire, il va être joué par à peu près tous les sprinteurs présents sur ce Tour de France. Alors, certains savent qu'ils ne rallieront pas Paris ou alors qu'ils ne pourront pas avoir ce maillot vert puisqu'il faut être aussi assez régulier sur les étapes de puncher, de grimpeur, etc. Mais je pense aussi que ça peut être aussi pris comme une forme essayer, sachant que demain, il y a un sprint massif de prévu, lundi, mardi, ça risque d'être de même, donc se dire peut-être en gagnant un sprint intermédiaire, prendre l'avantage psychologique, tester les automatismes, etc. Ça peut être aussi vu de cette façon-là. Bon, on va arriver dans le final de l'étape. Et comme je vous ai dit, on va revenir sur la stratégie UAE Team Emi Watt, qui est complètement stupide. Oui, il faut le dire. On arrive dans le col d'Oudana et on va mettre un tempo fort, fort, fort. Surtout Michael Bjerg. Voilà. Alors, il y a plusieurs hypothèses pourquoi on met ce tempo-là. Soit on veut faire plaisir à Yates en conservant le jaune, soit Pogacar se sent impérial. Mais attention à ne pas faire la même erreur que l'année dernière, oui, puisqu'au début, il prenait toutes les bonifs qu'il pouvait y avoir, et puis quand on arrivait au Granon, eh ben, il était émoussé, le petit Tadej, et puis il a perdu le Tour de France sur cette étape. On va pas se cacher. Ou alors, c'est du bluff. Mais bon, je pense pas, vu la forme de Pogacar, et puis qu'hier, il disait que tout allait bien pour son poignet, etc. Non. On est dans les 100 derniers kilomètres de course, donc les 100 derniers kilomètres excitants pour le public, pour les téléspectateurs, les journalistes, les spectateurs, mais aussi dans le peloton qui va s'exciter, oui, puisque c'est le moment de replacer les leaders, ça va frotter. Attention aux chutes, surtout qu'il pleut, que l'étape est cabossée, il y a des descentes périlleuses. Et d'ailleurs, on va surtout dans la côte d'Alquiza, et d'ailleurs, on va voir que Nelson Paules, en tête de la course, va faire la descente au maximum, tandis que derrière, ça prend moins de risques, et c'est là qu'on va reprendre du temps, dans les chapitres 10 secondes de reprise, juste dans cette descente. Allez, la dernière bosse, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard aux avant-postes, c'est leur équipe qui emmène le peloton maillot jaune, le maillot jaune, lui, est scellé. Dès que Soudal Quickstep, il va falloir s'y faire. Julien Alaphilippe est tout seul, obligé de remonter et d'utiliser beaucoup de force. Lui-même, c'est n'importe quoi de la part de Soudal, à moins qu'on ait vraiment qu'on a les crocs, mais en début de tour, c'est quand même ahurissant, ou alors on est très très mal préparé. Où est Tim de Klerk, le fidèle lieutenant dans ces étapes-là du double champion du monde français? Accélération dans la dernière difficulté de l'UAE en mode fusée.
On appuie vraiment, on veut faire péter le peloton en éclats et puis on prépare en haut le sprint bonus puisque Nelson Paulès va voir très vite le peloton revenir sur lui. On arrive au sommet, on se dit attention, ça frotte, c'est serré, il y a beaucoup de monde, attention aux chutes, comment ils vont faire pour attaquer les leaders. Bon, ça va se faire. Attaque de Tadej Pogacar, il y a Simon Yates et puis Jonas Vingegaard. Les trois vont se retrouver à l'avant. Le reste un tout petit peu derrière, tout pète en éclats. Pogacar, comme je vous l'ai dit, regarde derrière. Est-ce que Simon Yates est là? Autrement, je lui laisse les bonifs. Donc le maillot jaune. Non, c'est Vingegaard qui est là. Donc je vais accélérer puis prendre les bonifs. Je ne vais pas lui en laisser le plus possible. Ça serait bête. Voilà, tous ces heures pour là. Et puis, on descend la descente de cette dernière difficulté. Pogacar, lui, veut continuer. Il voit derrière, encore une fois, que Vingegaard, le colo derrière, vous m'excusez du mot. Et Vingegaard lui fait, non, je veux pas trop layer. D'ailleurs, j'essaierai de vous trouver aussi l'image pour bien illustrer ses propos. Donc, ça, on voit que ça peut exaspérer le Slovène. Ça peut être aussi une technique de la part du Danois. Mais c'est bien joué aussi de la part du Danois parce que s'il se retrouve esselé, il perd le Tour de France, il chute, s'il y a un incident mécanique puisqu'il n'y a pas de voiture, il n'a pas d'équipier ni rien. Mais lui aussi, d'ailleurs on verra, je vous trouverai j'espère aussi l'image, on le voit, regardez sans arrêt derrière, est-ce que mes équipiers rentrent? On voit qu'il n'est pas très serein non plus. Bon, tout va rentrer dans l'ordre derrière et puis le peloton, enfin une grande partie va rentrer sur la tête de la course, le peloton avec Simon Yates, Adam Yates, Romain Bardet et puis le victorieux du jour, le Lyonnais Romain Victor l'a fait. Et dans cette descente après, alors Peyo Bilbao qui a bien analysé la stratégie Yates de la veille va se dire bah allez, moi j'accélère dans la descente. Et ben pourquoi pas, je prends des mètres. Et attention, il reste 7 km. Il a pris beaucoup de... Il y a une grosse distance à combler. Et c'est Wout Van Aert qui va se mettre à la planche pour essayer de combler ce trou. Lui est favori du jour si ça arrive groupé. Donc il va tout mettre de son côté. Ça va être difficile. Et puis derrière, il n'y a que lui qui roule en fait. Il n'y a que les Jumbo parce que derrière, on ne roule pas. Puisqu'on se dit, ça va s'essouffler côté Jumbo. Et dès que ça s'essouffle, et ben nous on va contre-attaquer. Et ben oui, on voit des Romains d'Abardet, on voit même Victor Laffey rester carrément lui au bluff tout derrière, etc. Donc on se dit, et ça fait même le jeu de Tadej Pogacar qui est souvent plus rapide que Jonas Vingegaard au sprint. C'est royal pour lui. C'est un peu bête, c'est catastrophique là aussi la stratégie Jumbo. Bon, Peyo Bilbao, le local de l'étape, va être repris par le peloton maillot jaune. Et on arrive dans les derniers kilomètres. Et puis, on a entendu Victor Laffey à la fin. Il disait, je savais qu'ils allaient s'essouffler quand ils s'arrêtaient. J'allais faire le coup du kilomètre. J'avais travaillé ma stratégie cette nuit, la nuit porte-conseil. Et puis, d'ailleurs, hier, ils s'en voulaient pour hier. Le dernier kilomètre, la flamme rouge. Et Victor Laffey qui était resté vraiment à l'arrière du groupe, qui va tenter une attaque, l'attaque du kilomètre, la grosse attaque, il va prendre le large, et là, plus personne peut suivre le Lyonnais, le coureur originaire de Caluire, pour être précis, à côté de Lyon, dans la banlieue de Lyon, plus personne peut le suivre, et puis c'est Wout Van Aert qui va, en même temps de préparer son sprint, amorcer la poursuite, et là, Vingegaard a vraiment été salaud, vous m'excusez du mot, lui qui gagne le Tour de France en grande partie grâce à Van Aert qui fait sauter Pogacar dans l'avant-dernière étape et puis pour tout le travail qu'il a accompli sur les pavés, etc. Et ben, il va pas se sacrifier pour la victoire de son équipier. C'est vraiment enfoiré du coup. Et puis donc, Wout Van Aert, obligé de lancer son sprint de trop de loin, ne va pas réussir à rentrer sur le coureur du team Cofidis. Victoire française, victoire lyonnaise. Bravo mon gun. Pour cette première victoire française, on n'attendra pas la 19e étape. La deuxième sera la bonne. C'est parti pour la rubrique chiffres clés de cette étape du Tour de France, de cette deuxième étape. Donc on va démarrer avec un premier chiffre clé. C'est l'étape la plus longue de ce Tour de France, de 108,9 km. Et c'est en plus l'une des plus compliquées, en tout cas de ce début de Tour de France, puisqu'on a un dénivelé, écoutez bien, de 2943 mètres.
Positif pour une étape classée sur une, je crois qu'il y a sur il y a une échelle de 1 à 5 sur à 2 ou 3, hein, je crois, l'échelon 2 ou 3. Donc c'est quand même une étape compliquée. La vitesse moyenne sur la première demi-heure, je vous disais que ça roulait très très vite pour intégrer l'échappée, 54 km/h sur la première demi-heure de vitesse moyenne, donc 27 km/h parcouru. C'est pas pour pas parce que l'échappée a été formée que ça va ralentir, hein. Sur la première heure de course, au total 46,1 km ont été parcourus par les coureurs du Tour de France, par la tête de la course. Sur la deuxième heure, entendez bien, 43,5. Donc une étape à vive allure. Ça fait 44,8 de moyenne sur l'étape sur les deux premières heures. Sur la troisième heure, ça va ralentir, mais c'est là aussi, c'est parce qu'il y a les bosses. Ça fait 41,1 km de parcourus sur la troisième heure. Donc une moyenne de 43,8 sur le total de ces trois premières heures. Et donc, un total sur la course complète de 46,30 km/h, la vitesse moyenne de l'étape pour le vainqueur Victor Laffey. Une échappée, elle, qui a compté 4,55 minutes d'avance maximum, je vous le disais tout à l'heure. Et le chiffre symbolique de cette étape, victoire de Cofidis, 15 ans après la dernière victoire, les hommes de Cédric Vasseur, le dernier homme du team Cofidis, c'était à lever les bras sur le Tour de France, c'était Sylvain Chavanel en 2008. Il y avait eu deux victoires Cofidis avec l'une aussi de l'ancien sprinter puncher Samuel Dumoulin. Sylvain Chavanel lors de la 19e étape du Tour de France 2008 entre Roanne et Montluçon. Ça faisait 15 ans. Voilà, c'est parti pour les classements désormais. Et les différents porteurs de maillot. Le top 10 de l'étape, Victor Laffey s'impose en 4h46.39 pour compléter le podium. Wout Van Aert et Tadej Pogacar. On retrouve côté français un autre français, 8e, Romain Bardet, tout ça dans le même temps. Les porteurs de maillot, donc Paulus, bien évidemment, plus combatif du jour, Adam Yates en jaune, meilleure équipe Jumbo-Visma. Paulus à poids, Victor Laffey récupère le maillot vert, ça peut être un objectif au fil du tour, sachant qu'il a une très bonne pointe de vitesse, c'est un puncher, il peut aller chercher des points sur les étapes casse-pattes, sur les étapes de montagne aussi, pourquoi pas. Voilà, ce serait bien pour le sport français. Le maillot blanc, Tadej Pogacar, sans aucune surprise. Simon Yates, le classement général, conserve sa tunique jaune devant Tadej Pogacar, 6 secondes, dans le même temps, son frère Simon. Le premier français, cette fois, c'est Victor Laffey, à 12 secondes, quatrième derrière l'infatigable Wout Van Aert, 16 secondes, et Jonas Vingegaard pour compléter ce top 6, à 17 secondes. Pas d'inquiétude, Romain Bardet n'a pas perdu de temps aujourd'hui, tout comme David Godu. Voilà, Pogacar, lui, a pris quelques secondes déjà sur Vingegaard, mais pour l'instant, rien d'anecdotique, seulement 11 secondes. Il est l'heure désormais de notre fameuse nouvelle rubrique sur les routes du Tour de France. On va se pencher sur l'étape de demain, une étape plate promise aux sprinteurs avec un scénario du classique, donc c'est-à-dire une échappée publicitaire, on va dire ça comme ça, qui va essayer de résister un maximum, mais je ne pense pas, et puis un sprint massif à Bayonne, dans la capitale du jambon cru. Donc, les trois favoris pour demain, le petit prono, je mets Wout Van Aert, coureur complet, capable de gagner sur tout type de coureur, de terrain, contre la montre, sur une étape ballonnée, une étape de montagne, on se rappelle sa victoire au Ventoux, et dans les sprints massifs, on se rappelle de sa victoire sur les Champs-Élysées en 2021. Et puis, très en forme en ce moment, on voit, il s'est moins fatigué puisqu'il a des aptitudes à passer les bosses comparé au pire sprinter, lui, le vététiste, maillot vert du Tour de France 2022, puis on voit, voilà, qu'il a la pêche. Le deuxième favori, c'est Mats Pettersson, l'ancien champion du monde, lui, qui a la volonté de ramener le maillot vert sur les champs. C'est aussi un sprinter puncher, il a été là longtemps dans le final, capable de gagner sur des étapes un peu vallonnées. Et lui donc sera moins fatigué que les purs sprinteurs aussi. Maillot vert à noter de la Volta en 2022. Et le troisième favori, Jasper Philipsen de l'équipe Alpecin Dekoninck, vainqueur
Deux étapes déjà sur le Tour de France en trois participations, vainqueur de trois étapes sur la Vuelta en deux participations, deux étapes sur le dernier Tirreno Adriatico, deuxième de Paris-Roubaix et quatrième d'à travers la Flandre. Donc il est capable demain de gagner ce sprint massif attendu dans les rues de Bayonne. Ça sera lors de la Peña Bayona. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kishel Pali, à la prochaine. Salut, Cocorico!